C'est Miss Move 13. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 19. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une technique d'achat revente dans les défis création d'équipe. Donc on va aller de suite et je vais vous montrer. Donc vous avez vu dans Black Friday il y a EDS 10 garantie, EDS échangeable, et l'équipe faut qu'elle ait une note de 84. Donc ça va concerner uniquement les personnes qui ont une équipe avec des joueurs au moins de 84. Donc un conseil, revendez-les tous maintenant, vous allez revendre de 5 à 6 000 ou plus. Et ensuite, rachetez-les lundi, vous allez les payer, allez, 1000 crédits. Attendez, on va vérifier. Non, c'est pas lundi, je crois, les gars. Je crois que je dis une connerie, donc ça termine dans 2 jours. Donc c'est mardi que le défi termine. Donc en gros, dès que le défi va terminer, tous les joueurs ils vont faire une chute. Mais ça va être un truc de fou, pire que la chute de Boateng contre Barça en fait. Ça va être un truc de malade quand ils vont chuter. Donc regardez, je vais vous montrer vite fait. Donc tout ça, on s'emballe. Ils sont où c'est? Ah, ils sont là. Lui c'est qui? On s'emballe, oui. Donc regardez, c'est des joueurs à 84. Donc tout frac, je l'avais payé 650, ouais c'est ça. Xabi Alonso, j'avais payé 700, lui 800. Et les deux, je les avais payés 1800. Et regardez à combien je les ai revendus. Donc regardez les bénéfices. Donc pour ceux qui ont carrément une équipe avec au moins 10 joueurs à 84, vous allez vous faire les couilles en or. Donc revendez-les maintenant. Au pire, c'est pas grave, vous avez plus d'équipe. C'est pas grave les gars, vous attendez 2 jours et vous allez vous faire au moins 50 000 de bénéfices. Donc tout dépend le nombre de joueurs que vous avez. Donc franchement, c'est juste un truc de fou. Donc moi, vous voyez, j'ai revendu ces joueurs. Je me suis fait le défi EDS garantie et j'ai eu une signée pour ceux qui ont regardé ma vidéo. Donc voilà, ça concerne uniquement les joueurs qui ont des cartes à 84. Donc voilà, pour ceux qui ont des cartes en dessous, je suis désolé. Donc faites de l'achat revente, essayez d'avoir des gros joueurs et tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez cette vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur la petite horloge pour être notifié dès que je fais une vidéo. Donc je fais une vidéo environ 2 par jour ou plus, tout dépend des défis création d'équipe, si l'on sort et tout ça. Donc tout dépend si je trouve des nouvelles techniques d'achat revente et tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez cette vidéo. Partagez au max, likez au max, commentez au max, faites tout ce que vous voulez. Sur ce, ciao tout le monde.